vous êtes tous uniques. Vous avez l'histoire différente derrière. Et maintenant, c'est l'heure qu'on commence à être ensemble. Working hard, feel the heat, heart beating. Dripping sweat, moving feet, heavy breathing. See the prize, taste the win, just believe. De gymnastique, donc voilà, il rebondit, il est dynamique, et celui de compétition, il est absolument pas dynamique, il absorbe tout, donc c'est pas du tout la même chose. C'est trois fois plus d'efforts pour le corps, pour l'esprit aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et on se met plus de pression. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a envie, et en même temps, on en a pas. Oui, bonjour, le nez. C'était mieux. C'était très bien. Qu'est-ce qui a changé? Le genou qui était serré. Maintenant, tu sers encore plus fort. Encore. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. J'ai compris pourquoi en fait. En fait. Tu mets ta main déjà comme ça et tu mets pas les deux mains en même temps en fait. C'est pour ça en fait tu fais ça et après t'as cette main qui est là et l'autre qui est là-bas. En fait c'est que tu bouges, tu gardes les mains, hop hop et pas hop hop. C'est pour ça qu'elle est sur les talons en fait. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 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 on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Il y a encore fait de la chance, c'est les puits, c'est pas les genoux. Ah, tu sens moi.
D'accord, oui, je sais pourquoi. Tu as du mal à la monter, à l'idée à la monter. Ok, bah on a pas trop. Bah, j'ai pas de choix. Oui, ah non, mais tu t'en rends pas compte. Mais putain, non. J'ai pas les tout. Ok, maman, t'es dans quel groupe? Ah, moi, je ok, peut-être c'est à moi que tu veux tourner sur celui-ci. Voir si c'est bon ou pas. Allez-y, levez les bras. Non, c'est bon. Façon, un peu. Avec elle? C'est bien pour ça que j'ai dit sur ce côté-là. C'est bon, on y va? J'essaye d'éviter de casser la cheville, c'est pas gentil. Non, je plaisante. Non, je te taquine beaucoup, mais sérieusement. Tu fais quoi? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout sport, aujourd'hui on peut réussir, pendant un an on peut réussir et voilà. C'est comme aux entraînements, on peut hitter 10 fois la routine sans faire une seule chute. Et le jour où on a besoin de juste montrer ce qu'on sait faire et de juste hitter la routine, bah ce jour-là on va chuter. Donc il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais si, tu peux le faire, tu faisais longtemps. Ouais, oui, mais là je sais pas, ça marche déjà. Si. L'année dernière j'y arrivais, donc j'y arrivais très bien l'année dernière. J'ai toujours réussi en fait le stretch double. Gain plus, tu vois. Il y a des. Voilà. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. That was great and slow. La tête. Je sens plus mon épaule partir. C'est ça en fait, je sens plus mon épaule monter. Tu vois quand je fais pas un sport. Je sais pas, tu tournes bien et. Mais oui, hein. C'est terrible pour la hauteur. Non, non, c'est moi. Parce que je sens que j'ai de la hauteur. Je sens que j'ai de la hauteur, mais je me sens lente. Je sais pas, moi. Ça, c'est le genre de choses qui frustrent. Hein. C'est comme tu marches toute ta vie, là tu marches, t'arrives plus à marcher. Donc voilà. Monstre. Allons de maintenant. Je suis plus haut. Voilà. Merci, docteur. Tu me dis qu'au mois de janvier, c'est une catastrophe. Là, par contre, je vais te taper. Il y avait beaucoup de pression parce que c'était ma première année en co-ed, donc je voulais atteindre mon niveau et que j'arrivais pas forcément à tout faire et puis à bien réussir tous les stunts, et ben du coup ça m'a un peu stressée et puis ça m'a mis la pression. Donc, On est un petit peu fort, on a 2 semaines de stage, la semaine prochaine, non stress. Junior confirmé. C'est un gros changement entre les juniors et les co-ed. Oui, je te rappelle que tu sors de junior confirmé. Et déjà beaucoup ce que tu fais déjà. Je tournais beaucoup avec d'autres bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Et aussi parce que je sens mes fesses. C'est bon, je te jure, tu peux le faire, moi je sais. J'ai envie de réussir, j'ai envie de. Arriver au World et aux compétitions en ayant acquis tous les stunts qu'on va faire. Et aussi j'ai peur de devenir remplaçante et de plus être titulaire. Je trouve que j'arrêtais pas d'évoluer depuis le jour où je suis arrivée chez les Cohen. Voilà. Ça fait toujours peur le partner stun parce que on n'est pas hyper stable. Là ça allait, on réussit assez bien. Donc j'étais assez confiante. Avant de descendre en fait, je sais pas ce qui se passe avec ma cheville, mais ma cheville elle se tourne au moment où j'arrive sur le sol. Et là, je pleure. Il est super mal.
Mais j'arrivais pas à marcher. Ça me lançait là, dans la cheville. J'y arrivais pas, ça me faisait mal quand je posais ma cheville. Je me dis, je vais perdre beaucoup. Perdre beaucoup et que les autres vont prendre de l'avance. Au moment où je me fais mal comme ça, je me suis dit, ouais, je pense que je deviendrai remplaçante. C'est pas la meilleure place. Non, je leur fais pas mal, c'est moi. Je leur fais chaque fois. Oui. Chaque fois, tu me fais quoi? Peut-être tu changes et fais quelque chose de différent et reviens. On a déjà trouvé. Come on, Joy. What would you tell your team? On n'a même pas fait quelque chose. Tu peux le faire. Ouais. Aina, fais pas ça. Juste colle ton pied direct. Et comme ça, c'est bien. Tu prends le dos. Oui. Comme ça. Hein? Je vais le kickball. With a big kick, Joy. A big kick, not this. This is okay? Touch your hand. Kick. Oui! Oh mon dieu! Ah! Non! Allez, viens! Allez! Ah, j'ai mal, j'ai pris un coup. C'est ce que j'ai dit, je mens pas, hein, Joy. Ça. Tu sens, on le voit sur la vidéo du doux. Mais. Je sais pas pourquoi ça me saoule. Mais qui fait, c'est bon, il passe tout le temps, maman. Oui, mais arrête! Arrête! Je sais! Bah alors fais-le! Mais j'y arrive pas! Si! Bah voilà, arrête de dire ça! Arrête! On refait! En fait, tu sais le faire, je vais le faire! 5, 6, 7, 8, 9, 10! Je vais rester sur ma lancée du kick double, du fait que j'ai réussi, mais en même temps, je me dis que c'est pas plus mal de retravailler ma technique, puisque pour le coup, elle est vraiment. Elle est pas foireuse, mais elle est. Elle est pas maîtrisée, donc je me dis que c'est pas plus mal et que ça va me mettre plus en confiance, mais voilà, c'est comme j'ai dit juste avant, c'est mon épreuve, c'est ma difficulté, donc je pense que j'aurai toujours peur de faire un kick. Encore. Là. Qui coule là. T'as un bébé. Franchement, lance la main. Fais la toute. Voilà, fais ça. Maintenant fais tout. Quand on faisait tout à l'heure, quand je te tenais la jambe pour te jeter. La même chose, mon sœur. Mais tu vois, t'avances. Ça se trouve, on avance à cause de toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu viens d'avancer. Non, mais je fais un pas. Bah oui, bah fais pas, parce qu'après, tu vas le faire avec le basket. Voilà, encore. Fais-le 10 fois. Encore. Non, tu kiffes pas du tout. Tu fais juste ça. Là, comme sur le sol. Je vais franchement, je vais faire que ça, kicker. Je vais exagérer. Il faut mon que tu le fasses à chaque fois. Et plus tu exagères, plus il montera ta jambe. Allez, Joy, tu peux le faire. C'est tout con ce que tu as. Enfin, tout con. 5. Oh, kicker, Joy. Non, le même à chaque fois. Voilà. J'ai l'impression que j'ai failli plonger la tête avant. Mais non. T'as moins utilisé ta. Ouais, c'est vrai. Mais t'as plus kické. Et c'est déjà mieux. Ouais. 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 Ouais
commence pas. Oui, non, ça arrive. D'accord. Encore. Allez, go! Taco arrière à l'arrêt. Ok, go! Vas-y, Philippine! Allez, vas-y! Allez, vas-y! Comme mardi! Oh, that was pretty! Ah, non, mardi, je n'ai pas fait. Là. That was good! Je n'ai pas fait. Come on! J'essaie. Ok! Allez, partage! Et les jours, moi, je suis prêt. I'm tight. 10 heures, je crois. Allez! Oui! Allez! Mélissa nous a fixé des objectifs pour les vacances et qu'à la fin on est passé devant tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok! How about stretch double? Ouais! Tu l'as fait! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ok, pick double. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Aïna, tu prends ta tête en bas. Là, c'est sûr que tu rattrapes quand tu as la tête en bas. Pourquoi le tête en bas? Parce que je fais ça avec mes épaules. Et tu prends le pied là. Oui, quand tu fais ça, tu le prends le pied en bas. Tu prends le pied là. Ok. Donc tu fais le kick et prends le pied en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. On a réussi tous les stunts, j'étais super contente parce que ben, ça veut dire qu'on a bien bossé et que Mélissa devait être fière de nous. Et puis d'un côté, on se dit qu'en fait, ben, avec de la technique, on peut très très vite apprendre. Donc, Anna, c'est bon. Aïna, c'est vous, arrivez à faire toutes les choses pour l'objectif. Ce n'est pas très propre, mais c'est là, on peut travailler. En plus, pendant les vacances, il n'y a pas forcément tout le monde, parce qu'il y en a, ils ne sont pas en vacances ou autre. Du coup, on a dû s'adapter, changer de base, de bac ou de fly des fois. Enfin, du coup, en fait, bah, c'est bien aussi parce que ça nous montre qu'on peut y arriver avec plein de monde et qu'il n'y a pas que le groupe stunt, en fait. Et le tir, c'est un peu ça aussi. Il faut vraiment s'adapter à toute situation quelconque. Si on fait chaque groupe, est-ce que tout le monde arrive à faire toutes les choses qu'on a juste à fait? À peu près. Oui, à peu près. Oui. Yes? Vous aussi? Oui? Je crois. Tu as un problème avec quelque chose là? Non, non. Non? Tout arrive? Toutes les choses arrivent? Oui. Anaya? Sauf quoi? Sauf le flip. J'étais avec Karen. Tu les choses marchent? Oui. Tu qu'on a fait là? Ouais. Full of Cupid? Le Cupid, on n'a pas fait par contre. D'accord. Mais après, j'étais avec Léa aussi. D'accord, ça marche avec Léa? Léa, elle commence bien à avoir le kick full. Kick full. Kick full. Et après, il y avait juste des problèmes par rapport à sa jambe qui est pique et tout. Après, sinon, ça plane. Venez, venez, venez.
Moi, c'est du muscle décoratif. Décoratif? Oui, c'est pour toucher et montrer. Donc, Kenny et Lisa, spring tumbling. Tout le monde a travaillé avec eux avant? Oui. Manon, non. Jules? Un peu d'anxiété quand même, parce que comme je connais pas du tout spring tumbling, je connais pas leur méthode, je connais pas leur façon de faire. Si on devrait dire des spécialistes du tir dans le monde, c'est vraiment eux. Ils s'y connaissent de A à Z. Ce sont les meilleurs coachs, ils forment les meilleurs coachs, ils sont juges internationaux. C'est eux qui, il y en a parmi eux, il y en a bah, Lisa qui juge au Worlds. Si on a besoin de quelque chose, c'est vraiment vers eux qu'il faut se tourner. Dimanche matin, on fait ensemble avec le All Girl Elite. Donc, s'il vous plaît, peut-être on passe 3 heures le matin avec la technique. Mais le plus que la technique c'est bon, le plus qu'on peut avancer. Si vous avez travaillé avec eux avant, vous savez, si la technique ce n'est pas bon, et on ne laisse pas avancer. Ok? Je sais qu'ils montrent un nouveau truc pour faire le sponge, pour faire un prep. Ok? Donc ça veut dire qu'on commence à zéro. Et si on arrive à faire parfaitement, on peut avancer. Ou on peut rester 3 heures à faire le sponge. Et vous savez qu'il fait ça. Parce qu'avant, on a fait. On s'est déjà fait couiller, ouais. D'accord. On s'est fait arnaquer. Ils sont très durs. Ah, ils sont très très durs. Quand ils viennent, ils ont le temps pour nous, mais ils n'ont pas le temps pour les futilités. Voilà, concrètement. C'est travail, travail, travail. Alors, ça renforce encore plus l'anxiété que j'avais déjà en me disant ils vont vraiment être super minutieux, super rigoureux, super exigeants. Mais tout de suite une pression parce qu'en fait on voit qu'ils sont vraiment sérieux, qu'on peut vraiment rester 3 heures sur des sponges. Donc on se dit vraiment qu'il va falloir bien faire et vraiment être motivé et leur montrer qu'on n'est pas si nul que ça. Ouais, ça veut dire qu'il faut quand même que... On fasse vraiment attention à tout. Ils viendront pour nous faire travailler, pour nous faire pleurer. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sautent au plafond, enfin voilà. L'après-midi, c'est juste nous. Et j'ai demandé qu'on travaille une pyramide. Donc, il veut mettre une pyramide pour nous. Super contente parce que, du coup, je rêve déjà dans ma tête d'une grande pyramide qui dure longtemps, qui avec plein de portées où ça vole partout. Donc... Je suis très impatiente de voir ce qu'ils nous préparent. Une partie de doubles, oui. Kick doubles, ok. Mais je ne suis pas sûre qu'ils nous laissent faire le kick double si ils ne pensent pas qu'on fait un kick full ou les baskets avec les bonnes techniques. Donc quand on fait les baskets tout droit, ça va être parfait ou on reste avec le basket tout droit. Donc aussi on manque quelques flyers et je pense un autre pour dimanche. Donc peut-être on a les autres flyers qui restent avec nous pour travailler. Ils sont un de les meilleurs, ou deux de les meilleurs coachs mondiaux. On a vraiment la chance à travailler avec eux. Donc s'il vous plaît, donnez tout le respect et écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Il ne dit pas pour rien. Donc si on reste avec les sponges, écoutez pourquoi on reste avec les sponges. Et voir quelque chose qu'on ne fait pas bien si on reste avec les sponges. Oui? Et je te rappelle qu'il travaille avec les gens qui ont gagné, qui sont gagnés Worlds. Ok? Ils font les pyramides des meilleures équipes, au World. Donc avoir l'honneur de pouvoir avoir une pyramide faite par Spring Tumbling, mais c'est juste un honneur. Voilà, c'est juste un honneur. Donc forcément, on sait que c'est, ça va être grandiose. C'est Team Canada. Donc Kenny était le coach de Team Canada. Et les deux et les coachs de Cheer Sport Sharks. Ouais. Qui a gagné aussi. Oh, voilà, là, la pyramide. D'accord. Oh, ouais, la pyramide qui tourne. C'est beau. Oui. Donc, rappelez comment ils sont. Il a beaucoup d'expérience et il peut nous donner beaucoup si on accepte. Ok? Ok. Et aussi, on a payé bien. Ouais, voilà. C'était coupé.
Ok. Alright. J'ai vu que vous avez bien travaillé pendant les vacances. On a juste le spring tumbling pour finir. Et après, on revient dans les choses normales. Oui. Et bientôt, on commence les séquences pour le routine. Pour le routine. Yes, bitches. Quand on nous dit qu'on va avoir entraînement toute la journée avec spring tumbling le lendemain, je pense surtout à me reposer à fond parce que je sais qu'ils ne vont rien laisser passer. Ils vont vraiment reprendre les bases pour tout améliorer. Moi, comme je ne connaissais pas spring tumbling, ni leur méthode, ni ce qu'ils font, tout ça, j'étais un peu dans l'attente. Je me disais alors, je me demandais ce qu'on allait faire. Je voyais que tout le monde était content. Alors on allait faire des trucs nouveaux, des trucs originaux, des trucs avec de la difficulté. C'est vraiment une chance de pouvoir travailler avec eux. Voilà. Au moins, quand on travaille avec eux, on sait que cet entraînement, il sera... Mais ce sera limite un mois d'entraînement de gagné avec eux. J'avais un peu peur parce que toujours j'ai envie de réussir. Mais j'étais aussi excitée de pouvoir progresser, apprendre les nouvelles techniques. Et aussi de faire la pyramide. Les athlètes, même, on se met la pression. Parce qu'on sait que c'est important de pouvoir faire tout ce qu'ils nous disent. J'appréhende un peu d'avoir un entraînement avec spring tumbling. Parce que c'est quand même des coachs, des grands coachs américains ou canadiens. Enfin, voilà. Ils entraînent des grandes équipes. Donc forcément, ça met la pression. On n'a pas envie de rater devant eux. On a envie de leur montrer ce qu'on sait faire. Et puis... Mais bon, d'un côté, ils sont là aussi pour nous apprendre, donc impatient, mais un peu stressé. Non, je suis toujours excitée quand il y a Springtime qui vient. J'appréhende, mais je suis toujours excitée, j'ai hâte. Je me dis juste qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer, voilà. Et on veut les impressionner, voilà. C'est aussi ça, c'est qu'on a envie de les impressionner, Springtime. Ce sont les meilleurs. Donc on a envie qu'ils reconnaissent notre talent, qu'on est bon, et voilà, c'est pas pour rien qu'on rivalise avec les meilleurs équipes. J'avais hâte quand même aussi parce que vu que tout le monde était content, ça voulait dire en fait qu'on allait faire les choses bien du coup, donc voilà. Et donc j'étais super excitée parce qu'on allait apprendre de nouvelles choses et tout. Et finalement, non, parce que je me suis blessée.